Bon, petite démo vite fait, allez, je vais le faire sur Lightroom. Donc le principe, c'est de dire ici, la maison, elle est plutôt jaune, donc on va monter les jaunes, et le ciel, il est plutôt bleu ou bleu-vert, on va le baisser. Pour dramatiser le ciel ou les bâtiments, on verra que la clarté est quelque chose d'assez intéressant. Donc on va essayer de faire ça, allez, en 2 minutes. Je passe en noir et blanc, hein, donc c'est là-haut. Ensuite, je descends au niveau de mon mélangeur de couleurs. Donc, on voit que si on descend le bleu, on a le ciel qui devient plus foncé. Il ne faut pas le faire trop non plus parce que ça sera trop visible avec le reste. D'accord. Normalement, je pense qu'il y a du bleu-vert aussi. On voit qu'il y a du bleu-vert aussi au milieu qui doit traîner. Le jaune, on va plutôt le monter. Donc là, on voit que le bâtiment devient plus clair. Alors, ce qu'on peut faire si on veut assombrir la totalité du ciel et pas la maison, c'est-à-dire qu'on va mettre le jaune à fond. Donc là, il est un peu trop clair. Et puis ensuite, on va baisser, par exemple, un peu l'exposition. Donc comme ça, le jaune, il va être bien et le ciel, il sera plus sombre. Donc ensuite, on va jouer un peu sur les contrastes. Voilà. Ensuite, on va jouer un peu sur la clarté. Voilà. Donc la clarté, je vous rappelle, c'est les contrastes, on va dire, de locaux ou de jonction. Voilà. Donc là, ben, on a quelque chose qui ressemble. Ensuite, si on peut jouer sur le vert, si on veut plutôt le vert... la forêt noire ou la forêt plutôt claire, donc chacun fait un peu ce qu'il veut. Moi, j'aurais tendance à dire que plutôt noir, c'est plus inquiétant. Et puis, si on veut terminer, on va dire, on fait un peu de vignettage de la chose. Voilà, pas trop. Voilà, on a fini. Pas mal, non? Ça se regarde. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.